Ok, allez, salut tout le monde, ici Play4You, c'est parti, on attaque 3ème épisode de mon Let's Play sur Alien Isolation. Je rappelle que je suis dans un mode de jeu extrême, qui est le mode de jeu le plus difficile du jeu. C'est parti pour environ 8 petits épisodes, avec comme objectif de vous faire découvrir le jeu. La dernière fois, je bloquais par rapport à la lampe torche, bon, évidemment, je me suis renseigné un peu depuis, et ça ne devrait plus poser de problème. Il fallait que je maintienne la touche L enfoncée très longtemps pour pouvoir recharger la lampe torche, et normalement, ça devrait pouvoir le faire. Alors, oh putain, je suis très mal installé. Je suis genre très mal installé. On va juste prendre le temps. Voilà, on va juste prendre le temps de ramasser ce que je dois ramasser. Ici c'est la sauvegarde, c'est pas un souci. Là il y a quelque chose. Et on y va. Allez, on continue l'aventure. Alors. Et maintenant? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Ok, utiliser la lampe torche pour... Et si tu jetais un œil dans le coin? Voilà, donc la lampe torche fonctionne, il fallait juste que je la recharge. C'est pas un souci. Alors le problème avec la lampe torche, c'est que là on est clairement posé dans l'ambiance. En plus vous le voyez derrière moi, je me suis mis petite ambiance alien. Je les ai tous, hein. On pourrait DVD, j'ai les t-shirts, j'ai la totale. Je suis un inconditionnel des aliens, des premiers. Parce qu'après les aliens versus Predator, tout ça c'était juste une... un scandale diplomatique. Bon, allez, mis à part que je suis très mal installé sur mon ordinateur, que je pense à m'acheter un bureau un jour. J'achète des piles. On est vraiment comme d'Outlast avec les piles qui descendent très vite, j'ai l'impression. C'est quoi, c'est L? Ouais, le truc c'est que je peux pas faire sans. Là, autant j'essaye d'économiser un max, autant là, il faut le reconnaître. Axel, c'est ça? Attends-moi, j'arrive. Axel, réponds-moi, putain. Je suis désolé, j'essaie d'économiser un peu la batterie. Il était par ici. Tu vois, je gère, fougère. Tu gères, fougère. Oh putain, le mec, il a de l'humour. Mais t'as vu la pile babou, quoi, descend trop vite. Bien. Ça marche ou pas? Yes. Tu passes devant? T'as raison, passe devant. Est-ce que je peux l'éteindre? Ouais, je peux l'éteindre, c'est bon. On va essayer d'économiser les piles un maximum. Comme je suis en extrême, je risque de moins en avoir. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Ouais, tu m'étonnes. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pas rassurant. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Qu'est-ce qu'on attend pour se barrer d'ici? J'ai juste à faire demi-tour par rapport au chemin que j'ai fait. Ah oui, c'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça? Oui. Et mec, si tu pètes... J'ai entendu un truc. Si tu pètes, ça va chier. Ouais, je comprends. Parfait. Il faut qu'on rejoigne les autres. Il y a un truc qui merde. Il y a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en retard. On va t'en sortir, promis. Suis-moi. Oh, mec, tu t'es fait couper en deux. Putain. Ok, on la met en sourdine ici et n'allume pas cette torche. Ok. Attention, il y a du monde ici. Comment vous faites? Pas de bruit. Chut. Attends. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Quelqu'un va envoyer une aide. Il est beaucoup trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là pour atteindre la porte. Qu'est-ce qu'il dit? Comment? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Chut. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Les pilleurs sont plus nombreux qu'Axel et vous, créez une diversion pour que vous puissiez passer sans vous faire repérer. Générateur. Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors?
Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks? Il est où le putain de générateur? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes. Je passe par là, discretos. Personne m'a vu. Personne m'a vu. Personne m'a vu. Voilà, je suis toujours un gros pi. Voilà, là, le générateur. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que je me cache après, quoi. Hein? Comment je fais pour me cacher une fois que j'ai désactivé le générateur? Parce qu'ils vont venir. C'est une évidence qu'ils vont venir. Allez, on se lève. Éteindre le générateur. Tu fais semblant de comprendre ce que tu fais. C'est quoi ce merdier? Le générateur a lâché. C'est bon? Il s'est éteint tout seul? Non! Il y a quelqu'un dans les parages. Moindre prime. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Qui est là? Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Je crois que j'ai vu bouger un truc à l'intérieur. Non. Je sais que vous êtes là. Merde. On dirait que tout fonctionne. Comment tu peux le savoir, Einstein? Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Bah, en tout cas, là, pourquoi il marche pas. Qu'il... C'est peut-être la sécurité? C'est peut-être un rat qui s'est coincé et qui a déclenché... Eh, c'est quoi, ça? On tape... Oh, oh putain. Mais non, pourquoi vous me tapez? Ok, bon, ça c'est fait. Mais ouais, mais je vois pas d'endroit pour me cacher en fait. Alors il fallait que j'étudie un peu le truc. Tu peux faire vachement sombre par ici. Je vous retrouve dès que je suis à l'endroit tout de suite. Voilà, je vous retrouve, évidemment, j'avais pas fait gaffe, mais il y a une sauvegarde ici. Je suis passé juste à côté sans la voir. Donc, j'ai refait la séquence de mon côté en vous la coupant en montage. Et je sauvegarde cette fois-ci. Voilà, ça évitera de tout refaire bêtement. Bon, ici on va dire qu'il n'y a rien. Donc... Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Je me mets tu par là. Pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et est-ce des médocs. Est-ce que j'aurais assez de temps? Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Pour m'enfuir. Ça sent pas bon. Je pense on pas. On était censé être en sécurité ici. Donc ici, je peux pas me cacher. Et le verrou que Joe a installé. Ici, non, je peux pas me cacher, justement. On est d'accord. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Et là, le problème, on l'a vu. Alors que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? C'est un putain de caissier. Et alors, tu crois peut-être que tu pourrais faire. Ouais, le problème c'est qu'ils viennent jusqu'ici. Donc je pense que même si je me mets là, je serai grillé tout de suite. On est d'accord, je suis grillé là. Si je me mets là, c'est mort. Ils sont pas bêtes, ils vont me voir. Donc l'idée c'est que j'active le générateur et que je me casse en courant tout simplement. Je crois que j'ai pas le choix. J'active le générateur et je me casse. Attention. Je me casse. Je me casse. Allez, dégagez. Et voilà. Ça a marché? Waouh. Les mecs, qu'est-ce qui se passe? Votre allié n'a pas survécu. Ouais, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries là. Votre allié n'a pas survécu, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, bah c'est bon, il peut pas se bouger le cul aussi un peu lui. Qu'on les attaque. Bon, re. J'ai souvenir qu'il disait dans le texte: montrez-vous et on ne vous fera rien. Je me souviens qu'il a dit ça à un moment. Et je vais opter pour cette stratégie là: montrez-vous, on ne vous fera rien. Donc je vais me montrer et ils me feront rien. On est d'accord? On est d'accord. Pourquoi? Tu ne serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Voilà, je me mets là. Le générateur a lâché. Il s'est éteint tout seul? Non, il y a quelqu'un dans les parages. Ok, et là je me montrerai. Tout le monde avec moi. Quand ils diront, montrez-vous, on vous fera rien. On est d'accord? On va faire confiance en l'espèce humaine. Alors. Qui est là? Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Je crois que j'ai vu bouger un truc. On dirait que tout fonctionne. Comment moi. Tu peux le savoir, Einstein? C'est pour moi. Ça qu'on a des flingues. Ne tire pas dessus. Aidez-moi d'abord à trouver l'interrupteur. Mais non, mais vous avez dit montrez-vous, on vous fera rien. Je me casse. Fuir avec Axel. Axel, monte ton cul. Axel.
Axel! Axel! Axel, il va pas survivre. Bien joué, Ripley. Si? Voilà. Suis-moi. Ça a marché? Je te suis. Bah, faut que je t'occupe, putain, on est coursé, mec. Allez. Ok, d'accord. Bon, suis-moi, c'est plutôt toi qui me suis, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bouge. Allez, bouge. Allô, allô. La terre. Allô, allô. Ok, bon, bah, écoute, tu restes là, tu fais ta vie, moi je fais la mienne et je me casse, d'accord? C'est encore loin? On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. Ah bah voilà, ça y est, tu te décides enfin. Je vais pas à Sébastopol comme ça, hein. Tu veux pas me mettre une sauvegarde? Que j'ai pas à refaire cette séquence-là? Ce serait vraiment sympa. Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Accéder au terminal. Bon, je le note pour plus tard. Une sauvegarde, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, il faut que je passe devant. Mais bouge ton cul si tu veux que je passe devant aussi, là. Rétablir le courant. Mec! Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Charge? Ok. J'y vais. J'y vais, c'est bon. J'aurais préféré que tu me mettes une sauvegarde, mais t'as pas envie, qu'est-ce que je te dise? C'est bon, on n'est pas là. Prête. À 3. 1, 2, 3. J'appuie. Derrière toi. Sauvez Axel. J'arrive, mec. Non, j'arrive. J'ai chopé cet enfoiré de voleur. T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Lâche-moi, enfoiré. Tiens, prends ça. Ah oui, d'accord, t'es comme ça, toi. Ah ouais, toi, t'es pas du genre à plaisanter. On dégage, ces potes seront là d'une minute à l'autre. On se casse. Faut qu'on se casse. On se casse. Hé, bande de bâtards. On se casse, je veux bouger. Bouge. Vas-y. Vas-y, bouge. Allez, cours pour ta life. Bouge. Qu'est-ce qu'il se passe? Allez. What the fuck. T'as buté ce type? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu crois faire, là? Ok. Garde ta pistole. J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. Au revoir, Axel. Oh my goodness. Non. Atteindre la... C'était quoi ce truc? Hein? Atteindre quoi? Oh merde! Faut pas que je m'arrête. Oh merde! Sauvegarde. Merde. Non, fais pas de bruit. Oh, ça y est, ça commence. Oh merde. Je te promets, je joue plus. C'est fini. Je fais 3 épisodes et je vous laisse continuer. Je peux pas là, je suis en nage, je suis en sueur, je transpire quoi. Oh merde. Dites pas qu'il y a un alien, s'il vous plaît. Je vous promets, je supporterai pas. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. C'est quoi ce bruit? Ok, restons calmes. Fuyez la zone et empruntez le véhicule de transit jusqu'à la tour Systech. Gare de transit. Ouais, c'est à droite, mais c'est fermé. Ok. Attendez, je crois qu'il y a une bestiole. Attendez. Il n'y a pas de bestiole. Je vais bien, tout va bien. Là. Oh, toi. Pourquoi? Je
me retourne pas, je me tourne. Oh merde. Panique pas, panique pas, oui, appelez le transit, oui. Appelez, appelez. Oh merde, putain, ça va me tomber dessus. Ah, oh, c'est évident, ça va me tomber dessus. Non, je suis pas là, je vous promets, je suis pas là. Putain de merde. Putain de merde, il y a une bestiole. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive le transit, oui ou merde? Au transit là. Au transit. Oh non, je bouge plus. C'est quoi? 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 Non, me tapez pas. Il y a transit. Il est là. Je veux prendre le transit. Tour système. C'est bon, c'est fermé. Oh my god, ce flip. Oh, mais cette ambiance de malade qu'ils ont mis. Mais non, je veux pas continuer. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. J'ai failli me chier dessus. My god, trouve un ascenseur jusqu'à... Nénénénénia. Ouais, est-ce que je peux trouver une sauvegarde déjà? Non, parce que vous êtes bien gentils les gars, mais... ambiance de malade. C'est bon, juste une sauvegarde. Cette station dessert Sixon Communication Technology, Sixon Synthetics. Il y a une sauvegarde. Exoplanète Solution. Il y a une sauvegarde. Le système de transit de Sébastopol, c'est bon. Est en... Ah, je veux arrêter mais ça fait pas assez, il me reste encore 5 minutes. Oh mon dieu. Je veux arrêter. Je veux plus jouer. Et j'ai pas censé avoir un détecteur de mouvement là. Hein? Non, parce que dans la vie, il y a un détecteur de mouvement. Oh là 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 là, comment j'ai flippé. Non mais regardez. Détecteur de mouvement, espace. Seulement, quand je fais espace, eh ben j'ai pas de détecteur de mouvement. On va dire que c'est parce que je l'ai pas encore trouvé. Ok, regardons la carte. Ok, une sauvegarde ici. Transit vers la tour Nénin Sébastopol. Spatial Sébastopol, habitation, machine. Axel a dit que le système Spire renfermait Segmon Communication. Trouvez un moyen de l'atteindre. Rendez-vous à Segmon Communication. Segmon Communication. Trouvez un ascenseur jusqu'à Segmon Communication. Ok. Ok. C'est good. C'est nice. Je vais bien. Un ascenseur. On peut se cacher là-dedans? Est-ce qu'on peut se cacher là-dedans? Bon, apparemment pas. Bon, j'ai vu des escaliers derrière moi. Mais le jeu me dit un ascenseur. On va être obéissant. On va chercher un ascenseur. On peut toujours passer... Ah! Maintenir pour se cacher. Oh putain, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, clairement, je peux rencontrer un alien. Veuillez nous excuser pour les perturbations affectant actuellement le service. Ok. Non, je pourrai jamais jouer à ce jeu là en fait. Je peux pas. Je suis tout seul dans mon appart là. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Faire ce genre d'aventure. Je veux jouer à Minecraft moi. Là je vais me chier dessus, je suis tout seul chez moi là. Mais je suis tout seul chez moi. J'ai mis des bougies, j'ai tout mis, j'ai l'ambiance. Je peux pas là. J'ai trop peur. Oh putain, puis mettre des casiers en plus, pile poil pour te dire de toute façon que tu vas te faire bouffer. Donc... Quoi? Quoi? Oui, non, c'est bon, arrête tes conneries, ça suffit.
Bon, y a rien ici. Mais si je pouvais avoir mon détecteur de mouvement, ce serait pas plus mal. Bon, ça sert à rien cet endroit-là. Retirer la tâche. Oui, enfin en même temps je fais le tour donc. Enfin, je vais bien être gentil, mais. Ça sert à rien. C'est bon, y'a personne? Oh, j'ai cru voir quelque chose bouger. Mais c'est dans ma tête. Non mais j'y arriverai jamais. Pourquoi j'ai appelé le... Je m'en fous de ton transit pourri. Ah si, peut-être qu'il faut que j'y aille en fait. Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations. Veuillez reporter immédiatement tout dysfonctionnement dans le transit. Pourquoi actualiser la carte? Pourquoi j'ai cette vilaine impression? Pourquoi j'ai cette vilaine impression que je suis coursé? Ok, regardons la carte. J'ai mis à jour la carte. Oh putain, transit vers la tour d'habitation. Transit vers la plateforme des machines. Mais il y a combien de transits dans ce bordel? Transit vers le terminal spatial Sébastopol. La tour Sébastopol. Donc on est d'accord. Trouver un ascenseur jusqu'à Segmon Communication. Bah oui, mais comment je fais? Les machines ou pas? Les machines, ça me dit bien. Non mais les machines, c'est pas de là d'où je viens. Oh putain, je suis perdu. Et si je restais là-dedans et que je me laissais mourir de faim? Moi, je suis prêt à mourir de faim s'il le faut. Mais ne refais plus jamais de bruit comme ça juste à côté de moi. Mais merde. Mais merde. C'est quoi ça? Un agent collant. Ouais, je suis content. Je rappelle que je joue en extrême. Y'a quelqu'un? C'était quoi ce bruit? C'est ça qui se referme. Ok. C'est quoi ce bruit? Une caméra qui me regarde. Aide-moi! Coucou la caméra! Oh merde, je suis désolé, j'avance pas vite, mais là j'ai trop peur en fait. Quoi. Bon, il faudrait que j'aille par là. Porte fermée. Super. Je suis désolé, mais j'entends du bruit. C'est horrible. J'arrive vraiment pas à avancer quoi. Je suis vraiment en mode... Et putain, mais je peux pas passer par là, là? Oh, parce que là, j'ai fait... Pourquoi tu t'ouvres, toi? Quoi? Putain, mais c'est quoi tous ces bruits? Vous voulez... Prendre l'ascenseur vers... Ok, j'ai trouvé. Par ici, y'a quelqu'un. J'ai rien eu le temps de faire. Waouh, j'ai rien eu le temps de faire. Tu te fous de moi ou quoi? Je n'ai rien eu le temps de faire. Je me suis pointé dans la salle, je me suis fait buter. Non mais tu te fous de moi quoi. Bon, l'avantage c'est que je sais où c'est maintenant. Bon, en 2 secondes j'y suis, mais... Donc c'est là. Là je trace. Je trace, je trace, je trace. Je trace. Merde! Les gars! Par ici! Y'a quelqu'un ici! Je trace. Je trace. Je trace. Il est où ce putain d'ascenseur?
l'ascenseur. T'es où, ma jolie? Oh merde. Là. Allez. Allez. Voilà. Par là, c'est nice. J'ai plus le choix maintenant, faut que j'avance. Oui. Good. On se relève. Les trucs par là. Cherchez. Pistolet seringue, agent collant. Bien. On va finir par se faire un medikit à force. Cherchez. Oh, des munitions de revolver. Alors l'idéal serait évidemment d'avoir un revolver. Oh non! Putain, je peux pas aller plus loin, quoi. Je suis allé là juste pour prendre des munitions. Ah, les boules, putain. Bon, c'est pas grave. C'est toujours ça de prix. Le truc, c'est que s'il n'y a pas de sauvegarde, ça me sert à rien. On est déjà à 21 minutes d'épisode. Faut vraiment que je trouve une sauvegarde, quoi. Je crois qu'elle est partie, la fille. Elle est partie ou elle est pas partie? Je pense qu'elle est partie. Okay. Un synthoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Trouver une cellule de données pour réparer le synchroniseur. Ouais. Si je trouve une cellule. Putain. Que tu veux prendre ce risque. T'as raison. Je te propose qu'on la trouve et qu'on la mute. Oui, je suis en bas. Je suis en bas, vous avez raison. Descends. Putain, j'aimerais juste pouvoir sauvegarder, quoi. Ils sont juste là. Il y en a un en bas à gauche et un en haut à droite. Je suis totalement encerclé. Vous voyez, en face, il est là. Oh putain, elle monte. Oh merde. Oh fuck. Allez, cours. Ah non, mais pas en un coup. Bah non, mais attends. Un coup. Un coup. Non mais please, quoi. Un coup. Bon, ok. Oh, bon, je sais que je joue en extrême, mais quand même, il y a des limites, quoi. Bon, bah allez, on a largement dépassé les 25 minutes d'épisode que je voulais faire. Bon, je sais où aller, hein, pour les prochains épisodes. Il faut juste que j'arrive à mieux gérer la gestion de mes planques. Attendez, je vais juste... Voilà, je vais juste reprendre pour vous enlever la musique, parce qu'elle est en train de gueuler dans les oreilles, c'est juste pas possible. Donc voilà, pour le prochain épisode, dans 4-5 jours environ... je vais vous couper toute la séquence du début parce qu'elle n'aura pas de sens. Et on continuera d'avancer pour essayer de faire en sorte de vous faire découvrir Alien Isolation. Vous l'avez vu, ambiance très très flippante. On se retrouve dans 4 jours, à très bientôt, salut bye bye.